Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des groupements des générateurs en parallèle. D'accord? On va montrer étape par étape dans un exercice d'application comment on peut faire un groupement des générateurs en parallèle et déterminer les caractéristiques du générateur correspondant. D'accord? Sans toutefois tarder, on va directement voir l'application dans un exercice concret. Exercice. On branche en parallèle 4 piles. On donne les caractéristiques de la pile qui est 4 volts 3 ohms. D'accord? On demande donc la première question. Donner le schéma du montage. À la deuxième question, donner l'expression de l'équation caractéristique de cette pile. Et à la troisième question, déterminer les caractéristiques du générateur qui est la pile équivalent au montage des quatre générateurs. Donc, c'est-à-dire, on veut donc qu'on trouve ici tout simplement les caractéristiques, d'accord, de l'unique générateur qui va représenter nos quatre générateurs qu'on a donc montés en parallèle. D'accord? Sans toutefois tarder, on prend donc la feuille réponse pour passer directement à la résolution de l'exercice. OK. Résolution, il s'agit bien du groupement en parallèle des générateurs. D'accord? Donc, exercice 2. On demande donc de donner le schéma du montage. D'accord? Or, on a dit qu'on a montré en parallèle 4 générateurs, c'est-à-dire 4 piles. D'accord? On a monté donc en parallèle. On va donc tout simplement donc représenter la première pile. D'accord? La deuxième pile. La troisième pile. La quatrième pile. Donc, voici donc nos quatre piles qu'on a déjà mis en parallèle. D'accord? Tout ce qu'on a fait. Donc, le courant entre là tout simplement par la borne négative, d'accord? Tel que chaque générateur ici est donc caractérisé par E0, R0. C'est-à-dire tout simplement la force électromotrice du générateur, d'accord? R0, la résistance interne de chaque générateur associé. Donc, voici tout simplement donc la borne négative là, la borne positive tout simplement ici. D'accord, donc voilà le schéma de montage de nos, tout simplement, de nos quatre générateurs qui sont donc associés en parallèle. D'accord, on passe donc directement à la prochaine question qui était tout simplement de donner l'expression de l'équation caractéristique de cette pile. Or, on voit bien que la pile ici, d'accord, sera caractérisée tout simplement donc par E0 R0. Donc, un générateur est caractérisé donc par E0 R0. E0 qui est tout simplement la force électromotrice du générateur, d'accord? Et R0 qui est la résistance interne donc, du générateur. Or, on a donné donc les caractéristiques de la pile. On a dit que la caractéristique de la pile c'était donc 4 volts et 3 ohms. Donc, ceci nous permet de comprendre tout simplement que E0 qui est la force électromotrice de la pile c'est 4 volts, d'accord? Et sa résistance interne donc c'est 3 ohms. Donc, voici donc les caractéristiques de notre pile associée. D'accord? Donc, on peut donc écrire tout simplement la loi d'Ohm qui sera tout simplement donc U0. D'accord? C'est-à-dire aux bornes de la pile. D'accord? Sera tout simplement égal à E0. D'accord? Moins sa résistance interne multipliée donc par l'intensité. D'accord? Ok. Donc, voilà l'expression donc tout simplement de la tension aux bornes donc de la pile, d'accord? On a donc dénoué l'équation caractéristique de cette pile-là. Donc voilà donc l'équation caractéristique de cette pile. Il suffit donc de remplacer donc U0. E0, on a vu que c'est 4, d'accord? Et R0, c'est tout simplement 3. Donc voilà l'équation caractéristique donc de la pile. Ok, on demande donc de déterminer l'équation caractéristique de la pile équivalent au montage des quatre générateurs. D'accord? Ici, on a bien affaire à un montage parallèle.
D'accord. Dans un montage parallèle, au niveau donc de la force électromotrice, d'accord, équivalente qu'on aura, E sera donc égal à E0. D'accord. On peut donc voir notre montage ici. D'accord. On aura la même différence de potentiel, la même tension, d'accord, à la borne négative, à la borne positive de toutes nos piles. Donc, on comprend bien que la force électromotrice équivalente sera tout simplement E égale à E0. Or, on a vu que E0, c'est 4 volts. Donc, E sera donc 4 volts. D'accord? Maintenant, comment on trouve donc la résistance équivalente? La résistance équivalente qu'on va appeler R, d'accord? C'est tout simplement égal à R0 divisé par N. N étant le nombre de générateurs, d'accord? Or, ici, pour nous, N est tout simplement égal à 4. Donc, on aura ici R0 qu'on a vu, qui est tout simplement 3 divisé par 4. 4 qui est le nombre de générateurs. D'accord? 3 divisé par 4, ça nous donne donc 0,75. Donc, pour remplacer, on peut remplacer donc nos 4 générateurs qu'on a associés en parallèle par un seul générateur. Donc, voilà les caractéristiques. Sa force électromotrice du générateur, la force électromotrice du générateur là sera 4 volts, d'accord. Sa résistance interne sera 0,75 ohms.